Salut! Bon, alors, comme attendu, on y est. On a récolté les fonds nécessaires la dernière fois pour pouvoir, eh bien, on va choper l'XP, changer de look. Parce que là, bon, même si là, vous remarquerez que j'ai quand même obtenu une magnifique petite veste. Et on peut pas tourner le bouton. Tourner le bouton. Tourner le bonhomme. J'ai obtenu une magnifique veste violette disponible seulement 30 jours. Parce que soyons des rats jusqu'au bout. Mais cette tête de je suis parti trop vite de chez le coiffeur, c'était pas possible. Tout simplement parce que quand j'ai lancé le jeu, j'ai fait tiens, je vais faire un perso moche, pensant que je pourrais changer de tête. Mais non. Il m'a fallu un petit peu farmer d'argent. Encore une allégorie du capitalisme. Donc, eh bien, il est temps de changer tout ça. Parce que ça, c'est pas possible. Donc, apparence. Autant dire que on est face à une myriade de choix. C'est assez improbable. Ah là là, c'est vraiment moi qui adore les éditeurs de personnages. Là, je suis un petit peu déçu, circonspect face au peu de choix qui s'offrent à nous. C'est vrai quoi, enfin, qu'est-ce qui les empêche de nous laisser mettre la tête qu'on veut et pouvoir mettre deux yeux au niveau du front et compagnie quoi. C'est ça qui est marrant avec les éditeurs de perso. Je me remonte dans mon siège. J'espère que cette fois-ci le son est pas mal. Ça a l'air. Oui, non. On va un petit peu monter le son du jeu. Si je regarde les variables là, ça a l'air pas mal. Oui, et puis sinon, de toute façon, il n'y a personne en direct, donc j'ai le temps après de... Comment ça s'appelle? Non mais ah c'est chiant ça, mais purée, oh là là, je me perds dans les menus. Toujours est-il. Donc aujourd'hui, opération changement de tête. Donc alors ça, la petite coupe, oula, ça c'est pas beau du tout. Là on croirait que je sais pas quoi. C'est entre années 30 et Cyberpunk raté là. C'est vraiment pas possible. Alors ça. J'ai bloqué mon perso, je peux plus. Ah si, je peux y toucher, c'est bon. Bon bah ça c'est basique, hein. Ça a son charme. Mais c'est pas très discret. Je pense que... Déjà que je me fais tuer assez facilement, mais alors là, la discrétion est zéro. Bon bah ça, non. En fait, non. Ça non plus. Bon bah là, je ressemble à Sam Shepard, quoi. Autant dire que c'est un non catégorique, vu que je juge fortement quiconque joue à Metroid, non, à Mass Effect avec le Sam Shepard par défaut, parce que c'est vraiment une face de paix, pour être gentil. Ah, ça c'est gentil, ça c'est pas mal. Ça fait random, quoi. Mais je crois même que je vais plutôt faire une femme. Parce que, quitte à avoir farmé 3000 BP, autant que soit-il. Donc, niveau coupe de cheveux, c'est bien simple. Hein. Comment dire? Pas de discrimination, je cherchais les mêmes termes. Voilà, hein, c'est la même chose. Les mêmes assets, comme ça, on se fait pas chier. Ah non, pardon, c'est un petit peu ondulé là, alors que si je vais chez les hommes, c'est droit! Parce qu'on a eu les bonhommes, on a les cheveux droits. Alors que là, hein, on participe à un battle royal, mais on a pris le temps de se faire un petit brushing. Des petites anglaises. Ah ouais, non, ça c'est pas possible. Ça, bah, toujours pas. Ouais, non, ça pareil, non, mais ça c'est. Mais ça, je peux pas. Parce que déjà, je suis blanche. Donc c'est pas possible. Et puis, c'est pas très discret. Donc, ah ouais, non, ça c'est banal. Ah, mais on peut mettre des cheveux rouges. Le mieux, ça serait. Oh, putain, mais j'ai pourtant mis l'aliasing bien là. Pourquoi les cheveux ils sont infâmes?
Véritablement infâme. Ah, attendez. On voit pas le haut de ma tête. C'est pas grave, on peut voir mon magnifique Nirvana Primark. Et ça, c'est beau. Donc, ah, les visages. Voyons voir si les visages. Ah. Par contre, il va falloir me soigner ces pores là. Hein. Ils sont extrêmement dilatés. Attention. Suffit que tu aies une peau un tout petit peu comédogène et t'as plein de points noirs. Oula. Ah bah même avec le maquillage, c'est pas une réussite. Hein. Ah celle-là. Ah si, on a le crâne chauve. Ah bah là on dirait Jack de Mass Effect. Je pense qu'ils ont volé les assets de Mass Effect chez Blue Point là. Et tain, comment on quitte? Ah. Oh là là, le clavier. Beaucoup trop de touches. Ça. Ah, c'est vrai qu'on peut changer. Mais là, tu es déjà. Mais ça met 20 ans à charger. Non. Ces cheveux-là? Non, c'est les cheveux classiques, ça. Ça, c'est pas mal. Mais ça aussi, tiens. Mais ça, c'est banal. Ah, il y a les cheveux verts. Non, c'est les cheveux bleus. Passionnant, ce petit stream, là. Non, c'est pas raccord avec ses sourcils. Ah, quoique. Châtain. Non. Allez. Je pense qu'on va partir là-dessus. Là-dessus, c'est pas mal. Là, je la sens bien. Non. On est un peu bronzé quand même. On va à Shambara, là, ou je sais pas où. Voilà, on a les cheveux courts. Mais ces petites mèches là, ça peut tomber devant les yeux. Et attention, c'est un coup de nous faire rater un kill. Moi, je suis pas d'accord. Est-ce que si je change là, ça me fait tout perdre? Bien sûr que oui. Alors, on avait dit ça. Avec cette coupe de cheveux là. Il y a un petit côté, je vais dire Matrix, mais non. Non, c'est trop banal, ça j'aime bien, ouais. Eh bien, partons là-dessus. Tac, confirmé. Ah, bah voilà. Les armes. Bah, j'en ai pas. Les équipements. Bah, j'en ai pas. On peut aller au vestiaire. On va mettre le col roulé. En mode agent secret, en mode archer. Ah ouais, non, c'est pas beau. Petit t-shirt blanc. Oh là là, mais c'est pas beau. Ah non, ça c'est horrible. Oh là là. C'est quoi ça, ce bas de pantalon là? Il est beaucoup trop long. Voilà, on est pieds nus parce qu'on est en contact avec la nature. Et c'est pour pas faire de bruit. Eh bien parfait. Maintenant qu'on est totalement relooké, on va pouvoir gagner. Parce que c'est bien sûr ça qui nous empêchait de gagner. Hop là, on se sert un petit peu d'eau. Toujours, je le rappelle, on est en été, il fait 26 degrés. Ce n'est pas très chaud, finalement. Mais il faut rester hydraté. Autant dire que je vais mourir vu que je n'ai plus d'eau. C'est parfait. C'est parfait. La texture de mon blouson ne charge pas. C'est la certification d'une victoire totale. Hop là. Et je cours. Aïe aïe aïe, j'ai ma chaussette qui me coupe le pied.
bon, eh bien, je décide d'aller me noyer. Je suis où, là? Ah, on est là-bas. D'accord. Alors, où est-ce qu'on va? Ah, mais j'aime pas trop cette map. Ah, mais on peut pas aller sur les petites îles, là? Ah, moi, je veux y aller. Moi, je vais me faire tuer, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Mieux, on va sur le phare là-bas. On va là. Je sais pas, est-ce que je suis tout seul? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Enfin, si, j'ai l'impression d'être tout seul. Jusqu'à ce que je me rende compte du contraire. Est-ce qu'il y a un bateau? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de bateau. Hop là, ah non, mais t'aurais pu grimper. Hop, on prend un petit gilet pare-balles pour se protéger. Hop, attention, je le décale un petit peu histoire de voir. Mon compteur de FPS, savoir si le jeu lag ou si, enfin, ou si c'est mes yeux. Poum, 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 poum. Ouais, le jeu, ouais, en même temps, ah oui, non, mais en même temps, comme un boulet. J'ai changé les réglages. Voilà, mais c'est quoi cette tête? Ah, c'est pas bronzé, là, la couleur de peau, c'est coup de soleil. Elle est où la zone? Je suis en plein dedans. Bah c'est parfait! Oh, il me faut un sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, il y a un fusil à canoncier. Est-ce que je prends ça? Non, non, non. Je me connais de toute façon. Je mettrai tout à côté. Ah, mais il y a bien un silencieux. Ah oui, mais c'est pas pour... Ça, c'est quoi? C'est bien, j'ai une île à moi tout seul. Ça lance roquette? Ah non, mais avec des fusils à pompe ici, c'est nul. Oh là là. Bon, on va prendre un Uzi. Calibre 12, calibre 45. Ouais. Je sais que je devrais pas faire ça, mais... Ah, ah, ah. Voilà. On peut mettre un silencieux. On peut mettre une crosse. Il y a le bus qui passe. C'est parfait. Moi je dis, on va tous les allumer. Ah, il n'y a pas le mode rafale, fichier. On va tous les allumer. Il y a un mec qui va arriver, je vais rien comprendre, je vais mourir. Non! Ah non, d'accord, je croyais que c'était un bateau avec des roues. Autant dire que ma déception est grande, mais ça aurait été trop bien. Truc de l'armée là. Petit pistolet, non. Ah oui, ça en prend. Je fais mon marché. Non, ça j'en ai pas besoin. Ah, un petit fusil d'assaut. Mais attends, ça ressemble à quoi ça? Je préfère prendre ça quand même.
On passe en auto. Allez, hop. Ah oh oui, un niveau 2. Oh, une arbalète. Ah, est-ce que je prends l'arbalète pour être 100% furtif? Une scarelle. Ouais, on va prendre ça, c'est fort ça. Ça non, c'est pas très intéressant. Bon, allez, on va se promener. Hop là, moi je joue avec une seule main sur le... Ah oui, ça peut être bien. Je joue avec une seule main parce que ça sert à rien de viser. Ah, trop bien. Un gros chargeur. Voici, on va prendre ça. Tac. Bababam. Bon, soyons sérieux là. Je pourrais me faire surprendre à n'importe quel moment. Bon, autant dire que je fais semblant, hein, monsieur. Ah, j'ai un sac à dos, combien? Niveau 1. Celui-là, il est niveau 2. Hop là. On fait du parcours. Ah, il y a une poêle. Je sais pas ce que je préfère. Est-ce que je préfère le bon, le chargeur rapide ou c'est quoi l'autre? Un chargeur rapide. Bon bah j'ai deux chargeurs rapides. Ça, je vais pouvoir recharger deux fois plus vite. Y'a pas besoin de me dire non non non, ça sert à rien, je m'en fiche. Hop là. Hop. Hop, on y est. Ah bah parfait. Ça non. Unique, on s'allonge, on vise. On met la lumière à fond. C'est vrai que oui, ça serait pas mal. Non, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça, voilà. C'est quoi qui vient de passer là? Y'a l'avion? Ouais non, en fait se cacher là-dedans c'est peut-être pas très... Ah, ça m'a cassé les oreilles. Ah oui, je sais pas si on m'entend en fait, parce que je marmonne, mais... Alors, alors... Oh, mais c'est qui tire? Oh là là, mais y'a que des fusils à pompe ici. C'est pas possible. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit que je voulais chercher des lunettes. Ah, oh, mais c'est la mer. Le bruit des vagues.
L'écume qui se forme contre la falaise. Parfait, on va aller se tremper les pieds. On est pas bien là? Je sais pas, j'ai cru entendre un bateau. Alors je m'inquiète. Hop là, et on court. Oh, tu peux pas grimper? Oh là 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 là. Non. Non, c'est ça que je voulais. L'espace insuffisant. Pourquoi? Bon, bah, de toute façon, je les boirai pas. C'est mauvais le Red Bull. Oh, mais j'aime trop cette arme. Ah mais si, il y a un bateau. Ah bah oui. Je pense que c'est l'heure d'aller sur le phare. Allons sur le phare. Monter à bord, conduire le bateau. Y a pas de klaxon. Toujours profondément déçu par. Ah bah non en fait. On va pas prendre le bateau. Enfin on va pas aller au phare parce que le phare. C'est la mort. Ah oui, mais faut pas que je me cache trop non plus. Non, elle accélère. Attendez, on va mettre un petit marqueur. Voilà. Parce que si la fin de la partie est sur l'île, c'est bien. Si elle n'est pas sur l'île, je suis obligé de prendre mon bateau pour. Piu piu. Piu 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 piu. Hop, 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 allez, on court. Ah, j'ai mal aux épaules. Et quelle heure? Oh là là, il est déjà 19h. Ah, c'est beau. Je pourrais aller là-bas. Ah, ça fait du bruit en fait d'être pieds nus. Passionnant. En vrai, ce jeu, c'est, je pense, plus un travail d'introspection sur soi-même qu'une réelle bataille contre les adversaires. Le vrai ennemi dans PUBG, c'est nous-mêmes, c'est notre esprit. Savoir rester concentré, savoir faire preuve de sang-froid face au vide et au silence qui nous entoure. Toujours est-il qu'on se fait sacrément chier. Mais en même temps, il faut jouer stratégie. Si on veut gagner,
Ouais, je réfléchis. Je me palpe les joues. Pour avoir des joues fermes. Non, j'en sais rien en fait. C'était juste pour voir la lumière, mais en fait ça va. Même si j'ai l'impression qu'il fait nuit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on va parler d'autre chose alors, hein. Conseil série. Faut regarder Who. Non. C'est quoi? C'est Who is America? Nouvelle série de Sacha Baron Cohen. Vous savez, le mec qui a fait Borat. Bah là, il a fait une nouvelle série où, en fait, pendant un an, je dis beaucoup, en fait, c'est très gênant. Pendant à peu près toute l'année dernière, il s'est déguisé et il s'est fait passer pour des journalistes ou des trucs comme ça. Pour, enfin, pas que des journalistes, mais il a joué plein de rôles différents et il a réalisé plein d'interviews. Et le premier épisode est sorti il y a 2 jours et c'est. Il y a du moyen et il y a quand même de l'excellent. Parce qu'en fait, c'est une série d'interviews. Et alors, la première interview, il se fait passer pour un mec super de droite, pro-armes. Il interviewe Bernie Sanders. Enfin, il est pas pro-armes, il est anti-Obamacare. Et il interviewe Bernie Sanders. Et il dit n'importe quoi. Et Bernie Sanders, le mec, il sait pas quoi faire. Quoi. Il dit, mais non, mais enfin, vous dites n'importe quoi. Bref, c'est assez drôle. Mais le vraiment, ce qui est vraiment excellent, c'est la dernière interview où il se fait passer pour un ex-agent du Mossad qui veut faire du lobbying pour former les gamins de maternelle à utiliser des armes pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. Enfin, c'est ahurissant parce que du coup, il fait une interview. Enfin, il rencontre le président. Je crois que c'est le président de la NRA, donc l'association du port d'armes aux États-Unis. Et enfin, il se retrouve à parler avec des lobbies, le lobby pro-armes et avoir des messages de soutien de membres du Congrès qui parlent dans sa vidéo en disant oui, ça serait très important que les enfants dès 4 ans puissent apprendre à se servir d'une arme pour pouvoir se défendre. Enfin, c'est totalement lunaire. Et on se dit, mais waouh, c'est ça les États-Unis, quoi. C'est assez impressionnant, quoi. Mais pourquoi ça dézoome pas? D'accord, donc il va falloir que je prenne mon bateau. Et ouais, non, c'est totalement lunaire et hilarant d'une certaine façon, mais on se dit, waouh, c'est ça les États-Unis, quoi. C'est des mecs, c'est en partie des mecs. Oula, ah oui, lui, je peux l'avoir. Et ouais, j'étais sur mon île. Mais je l'ai touché. J'ai vu une gerbe de sang émaner de son dos. Toujours, ouais, pour en revenir à la série, non, c'est vraiment c'est sympa. Après, les 2 autres interviews étaient un peu moins drôles. Il y en a une où il s'est passé pour un mec de gauche et il interview. Et il dîne avec des députés. Enfin, c'est démocrate et républicain. Donc il interview des républicains. Ah merde! Non! Hop là! Allez, on va accélérer. Parfait. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, il interview des républicains, se faisant passer pour un mec de gauche qui dit n'importe quoi, pareil. Il est dans la caricature dans les deux côtés, quoi. Bon, ça c'est sympa sans plus. Et un qui est drôle, c'est il se fait passer pour un ex-détenu qui est devenu artiste en faisant des peintures avec sa merde. Et alors, et du coup, enfin, il fait une interview avec une directrice d'une galerie d'art qui est sérieuse quoi à côté. Et c'est super drôle quoi, parce que l'autre il fait genre ah oui, alors j'ai dessiné ça avec mon caca.
Et là, elle est, ah oui, c'est assez intéressant et tout. On se dit, mais quoi, enfin. Voilà, et je vous cache pas la fin de l'interview, mais moi, elle m'a fait hurler de rire. Avec cette meuf, lui demande un truc, mais tu te dis, non, elle va pas accepter. Et si, si, c'est de l'art. Enfin, vraiment, c'est sympa. Et donc, vous avez le choix, soit vous avez un cousin américain qui vous l'enregistre sur VHS et vous le donne, soit vous êtes riche et abonné Canal+, et ça passe sur OCS, si je dis pas de bêtises. Il y a une voiture là, il y a quelqu'un? Moi je sais pas. J'ai fait n'importe quoi. Ah, il était où? Ah, j'ai mis un peu de points. J'ai mis une balle. Oh là là. Je regarde pour savoir si c'est le mec d'en face, mais je pense pas du tout. Ouais, c'est ça. Ah, c'est lui! Ah, il s'est vengé. Ah, il a eu la chance de pouvoir se venger. Ouais, d'accord. Bon, allez, menu principal. Bon, on en refait une petite, histoire de profiter de notre look. Tac. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Non, je ne chanterai pas Nadia après avoir dit c'est parti. C'est parti pour rien du tout. On arrête de rigoler. Voilà, écoutez ça. Voilà. J'ai les épaules qui craquent. C'est ça d'être un sportif de haut niveau. On s'abîme le corps. Hop. Ah, mais on peut pas s'allonger en plein air, vraiment. Oh, non, mais. Hop là. Hop là. Hop. Allez, grimpe. Ah, il me voit plus. C'est très distingué, ça. Ah, j'ai les yeux qui me picotent. Allez, 3, 2. Je suis bien coiffé? Non, je suis n'importe. Je suis coiffé n'importe comment. C'est pas grave. Tac, tac. Ah, on est sur cette carte-là. Alors, première chose à faire, ça nous a porté chance la dernière fois. On jette nos habits. Ah, ça donne des capacités. Mais en fait, c'est de la triche, ça. Tu peux commencer avec des sacs à dos. Oh là, oh là, et l'avion, il fait demi-tour. Il fait la marche arrière, il y a une marche arrière sur l'avion. Je sens que j'ai une connexion de qualité. D'ailleurs, oui, mais j'ai pas regardé, mais. Ah, si, la connexion, elle est propre. Ouais, c'est bon. Attendez, il y a un petit i là. Ça sert à quoi? Cliquez pour ouvrir la fenêtre de notification. Ouais, on s'en bat les couilles. Allez, hop là. Je vais dans cette petite bourgade. Parce que je vais pas à Yasnaya Polinia là. D'ailleurs, une petite pensée pour les Pussy Riot qui sont. Faut que j'arrête avec mon accent anglais flingué quoi. Les Pussy Riot, mais qui sont actuellement toujours en garde à vue, entre guillemets, après avoir déboulé pendant le match de la Coupe du Monde, la finale. Ouais, les trois membres sont en garde à vue depuis 3 jours. C'est pas la France et c'est 72 heures maximum. Hein. 72 heures, non, c'est 48 heures. Et 72 heures si t'es terroriste. Mais ouais, je connais tout ça. On sait jamais, ça peut servir. Hein. J'ai des magazines. On a l'impression que j'ai de la barbe, mais en fait c'est ma mèche.
Ma mèche de cheveux. Non mais. C'est bizarre. Ah bah parfait. Non. Non. Ah mais c'est désert ici. Ah parfait. Espace insuffisant, mais on va enlever le bec de canard, ça sert à rien. Hop, non, ça on a déjà fait. Oh là là. Non, on va prendre l'escalier. Ça c'est la salle de bain? Non, ah non, c'est dehors. Allez, tu vas. Hop, hop, c'est bon, on y arrive. Non. Oh, je laisse les portes ouvertes, au moins les gens ils savent. Je suis déjà passé par ici. Y'a rien. Hop là, y'a l'herbe qui pousse à travers le sol. Ah, un petit casque. Ça, ça vient là, un repose-pouce. Pour être un vrai gamer. Ouais. Bon. Et sinon, après mon personnage, oula ça lag. Oula oui. Enfin ça lag, non c'est pas ça, ça la petite chute de rafraîchissement. Mais après mon personnage, c'est mon iPhone qui va avoir droit à un nouveau look. Parce que j'ai pris rendez-vous pour... Parce qu'il faut prendre rendez-vous, ah ouais. Pire que chez le coiffeur, mais pour lui changer de batterie. Parce que j'ai pour le moment un iPhone narcoleptique. Qui s'éteint quand bon lui semble. Ouf, allez. Ah mais elle est où la zone? Bon je suis dedans. Il a beau avoir 100% de batterie. J'arrive au travail, il a pas envie de travailler, bah, il s'éteint. Je devrais en faire autant. C'est peut-être une bonne idée. Non, non. Ah mais si on peut prendre un pied de biche, on sait jamais. Non mais qu'est-ce que t'as fait? Tu me fais chier. T'as remplacé le même flingue par le... Enfin bref. Ah mais il y a plein de trucs ici. C'est un casque niveau... Ah mais il est noir. Donc il est mieux. Il protège mieux des balles. Parce que c'est la couleur... trop dark. Non, non, je dirais rien de problématique. Hop là. Ouh là là. C'est quoi ça? Ah, c'est un chargeur rapide. En fait, c'est un chargeur rapide, donc j'ai pas besoin de recharger. Celui-là, il est plus joli. On monte les escaliers. Oh, architecture particulière. Ah non, mais j'ai mis pistolet, chargeur à pistolet XXL. Ah ouais, c'est bien ça. Hop là. Ah, on va prendre une faucille. Côté communiste. Ah, j'ai le full set. Il manque plus qu'une petite lunette. Non, toujours pas. Bon, on peut prendre les munitions. Ah, j'ai pris le bidon. Oui. Hop là! Oh, ça picote. C'est parce que j'ai pas de chaussures, ça. De toute façon, je peux pas me soigner les pieds, alors... Hop. Ah. Bon allez, ça me protégera le postérieur.
Ouais, faut peut-être que je baisse mes stats. Il faut que je pense aussi, c'est un truc, à passer en 900p et pas à rester en 720. Hop là, bon allez, on est bien là. La x8. Mais elle va nulle part. C'est nul. Mais je te la mets dessus, moi, tu me donnes du scotch et de la pâte à fixe, ça tient. Pourquoi je peux pas le mettre là? Oh là là. Tiens, est-ce que si je fais ça? Oh, c'est nul. C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu où les bonbonnes n'explosent pas? Ah, il m'a vu. Oh le fumier. Oh le fumier, il veut me tuer. Il attend que ça. Ah mais j'ai des grenades. C'est une grenade quoi? Une grenade fumigène. Est-ce qu'il m'a vraiment vu ou est-ce qu'il sait pas où est-ce qu'il est en train de ramper? Hop, je me fraye un chemin. La vraie stratégie. Je bats en retraite. C'est une retraite stratégique. Pour revenir plus fort après. Oula. Oh, ça prend la pente. Faut pas s'arrêter. Allez. Et mais passe en seconde. Hop là. Allez, allez, on peut le faire. Oh oui. Je fais du trampoline sur le caillou, mais tout va bien. Je suis très stable. Ah ouais, d'accord. Non, allonge-toi. Ah oui, c'est ça, je peux zoomer là. C'est quoi? C'est un sac à dos? Le sac, il l'arbre, il a un sac à dos. Ah oui, pudeur. Et je peux pas prendre la x8 juste pour regarder à travers, ça pourrait être bien aussi ça. On est où? J'ai aucune idée. Allez, 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 on y croit. Voilà. J'allais le dire en vrai. Pour mourir, y a rien de mieux que cette voiture. Bah oui. Oula, 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 oula. Hop là, initial D. Hop là. Voilà, je me mets là. Il y a des trucs ici? Il y a rien. J'avais des trucs à faire, mais je sais pas quoi. Je sais plus quoi. Hop. Oh, un gilet niveau 2, c'est un gilet de la police. Ah oui, c'est ma stratégie ça. Il me faudrait un fusil à pompe. Parce que maintenant j'ai plus qu'à attendre. J'ai pas de grenade? Non.
Ah non, mais te relève pas. Ah, c'est le problème, ça. Quand je change de bureau pour voir le chat, bah, ça me fait relever. Parce que je suis obligé d'appuyer sur CTRL Windows Flèche. Plus intuitif, tu meurs. C'est vrai que streamer la fenêtre ouverte, je sais pas si c'est une bonne idée. Heureusement, je suis dans un quartier calme. Là aussi, c'était une blague. Alors. Audio, sortie, taux d'échantillonnage 6000. Je sais pas ce que ça veut dire. Faudrait que je regarde des tutos un jour. Parce que j'en avais. Ouais, bah si, enfin, je vois comment ça marche, mais. Résolution de sortie. D'accord. J'ai juste à changer ça. Voir si ça passe. Non mais j'y crois pas. Enfin. Je me pose des questions. On va regarder. Parce que là, ça me dit actuellement que mon CPU il tourne à 5%. Mais j'y crois pas. Ah non, il est à 55%. D'accord, c'est l'application. Parce que j'utilise Streamlab pour streamer. Et ça dit 3%. 5%. D'accord, c'est ce que prend. Streamlab. Parce que oui, non, sinon j'ai que. Qu'est-ce qui tourne là? Mon processeur est à 50%. Ça va. 50%. Il y a 6 cœurs. Il y a 2, 3 GHz. Ouais, en fait, il monte et il descend. En fait, tant qu'il est pas 100%, il a pas besoin de passer à plus. 3, 4. Ouais, si, en fait, si, il le passe quand même à plus. Ouais, il vit sa vie, je m'en fous. Oh là là, j'ai 8 gigas de RAM d'utiliser. C'est beau quand même. Ouais, il faut peut-être regarder. C'est où? Ouais, c'est toujours là. Bon, on va rester là, hein. De toute façon, je sais comment ça va finir. Ça va se réduire. Je vais passer la tête par la fenêtre. Et je vais faire ah, coucou, il va me tuer. On va faire des ombres chinoises. Cette technique de PGM. Hop. Ça, on me voit plus. Oh, on va sortir. Hein. Là, c'est la porte de dehors. D'accord. Il y a des gens là? Je sais pas ouvrir la fenêtre, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, si j'appuie sur X, je range mon arme. Ah bah oui. Ah, je peux pas m'allonger. Donc autant dire que c'est le meilleur moyen de se retrouver sans arme. Allez, 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 tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Le demi-tour. C'est vrai que j'ai pas de lunettes, c'est problématique. Qu'est-ce que t'as fait? Elle a enfoncé. J'ai fusionné le gilet pare-balles avec le sol, mais. C'est marrant ça, attends. Si je me mets là, si je m'allonge. Poum. J'ai essayé mon pistolet. Ah mais j'ai essayé tout à l'heure. Eh, j'ai pas beaucoup de munitions en fait. Alors, comment bien nettoyer son pistolet? Semi-automatique. Alors, faut...
Faut enlever la culasse, hein, tout ça, tout ça. Bon, on va aller se promener parce que c'est chiant. Ah, dans la petite maison là-bas? Je sais pas. C'est où? Ah, oh, bah oui, c'est tout droit. Allez. Hop là, on passe la seconde. Hop là, vous avez vu ça, ce petit dérapage là? Regardez-moi comme c'est beau. Où est-ce qu'on peut aller? Ah bah tiens, c'est parfait. Hop, on va prendre le tremplin. Pas serein, moi. Monsieur, je vole la voiture là. T'es où? Saloupio là. Moi je vais te faire là. Voilà, et puis maintenant j'attends. Je l'ai mindé. Il va se demander où je suis. Ou alors il va acheter une grenade, il va me tuer. On est bien placé là. Y a pas un petit wall-like là que je puisse voir à travers. Non. Bon. RTMK a tué su. Je suis dans leur tête là, c'est bon. Blocage de la zone de jeu. Hop là, ouais, faut nettoyer les chiottes là, c'est un peu dégueulasse. Je pense qu'il est dans la maison. Et moi aussi. Je pense que c'est lui qui tire au fil. Truc, c'est que je peux pas. Ouvrir la porte en étant avec cette vue-là. On va rester la main sur la souris. Mais il tue personne, hein, je sais pas sur quoi il tire. Hein. Ah, et j'ai plus de grenades. Non, c'est ça qui va me faire. Il va m'entendre. Parfait.
Ouais, c'est plus ou moins équivalent. On va attendre histoire de faire top 20. Mais ils ont pas envie de mourir. Ah, je peux ouvrir la porte, mais si! Ah bah c'est bon! Il reste 20 personnes de vivantes. Bah parfait, j'ai fait top 20. Ouais, il est pas là! Il est pas là! Il est pas là, mais il est dans le coin. Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts? Puissance. Oh, c'est là. Est-ce que je prendrais pas un fusil à pompe quand même? Voilà. Et là, parfait! C'est quoi? J'ai mis un bec de canard. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. Non, mais y a plus personne. Mais j'avais top 10. C'est trop bien. Échappe. Merde! Mais merde! Mais fin fou, est-ce qu'il m'a tiré dessus encore? Putain, je l'avais entendu! Je lui ai tiré dessus en plus. Ah, trop déçu. Est-ce qu'il m'a entendu? Ah oui, il m'a entendu. Il m'a entendu armer mon truc. Ah ouais, bon, ok. J'ai touché quand même, j'ai l'impression. Bref, voilà. Bon, c'est pas mal. Menu principal. Ok. Tac, et donc, pour bien finir, on a assez d'argent pour s'acheter un petit peu. De fringues ou je sais pas quoi. Quoi? Caisse aléatoire? 1400? Mais pourquoi ça a augmenté? Bon bah j'ai le seum. Oh mais le système de caisse quoi, c'est vraiment l'horreur quoi.
7 évadés, non mais quoi, 14 euros pour avoir les ces trois trucs de merde là. Prévisualiser, tout ça pour espérer avoir ces trucs moches. Bref. On retourne au menu principal. Bref, maintenant on a un personnage potable à regarder. Ce qui est pas trop mal. Sur ce, je vous dis. Je sais pas quand. Parce qu'il va y avoir plein de trucs. Là, il va y avoir Ant-Man à aller voir. Faut que j'aille voir Dogman. Qui n'a rien à voir. Bref. À un jour prochain.